Wow, on se calme, on se calme. Arrêtez de tout casser. Eh, ça suffit. Ça suffit. Je vois que vous essayez de creuser un nouveau tunnel pour aller plus vite dans le métro, mais ça suffit. On se calme. Injustice, Gods Among Us Ultimate Edition. Et salut à tous, c'est Tanaka, je suis très heureux de vous retrouver après pas mal de temps, ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré. Donc là on se retrouve pour un let's play, on va dire que c'est une classe prépa. Une petite classe prépa pour le futur jeu Injustice 2 qui va arriver. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est le menu principal, pardon. Donc oui, c'est un let's play préparatoire pour le futur Injustice 2 qui sort à la fin du mois de mai, dont j'aurai l'immense honneur de vous faire un petit review avec mes ressentis, etc., etc. Et donc là, je me suis pris la petite Ultimate Edition sur PlayStation 4 qui coûtait plus grand chose maintenant que ça. Enfin, ça fait quelques années qu'il est sorti. Je l'ai pris en parallèle du comics Injustice qui est vraiment pas mal, je vous recommande de lire ça. Pour la petite histoire, Injustice, ça reste en fait mon premier comics. Pour avoir vu un bout du mode histoire, ça m'a intrigué en fait. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé exactement, parce qu'en fait le comics Injustice se déroule peu de temps, enfin non peu de temps, non, se déroule 5 ans avant l'histoire principale. Et je me suis quand même demandé comment on en est arrivé là. Non, ça suffit. Merci. Je m'en suis quand même demandé à savoir où est-ce que, comment on en est arrivé là, à cette situation qui va donner cette histoire-là. Et donc j'ai commencé à acheter les comics. Et franchement, je vous le recommande. C'est très beau, c'est très bien écrit, c'est violent, il y a de l'humour. Et surtout, ce comic se pose les bonnes questions. À savoir... comment serait le monde si Superman était réellement devenu méchant? S'il devient dictateur, comment ça va se passer? Et ça, ce comics pose les bonnes questions, ce jeu également. Donc du coup, pour ce... oh là, on se calme. J'essaie de te regarder dans les yeux, mais me crame pas la tête, Superman, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc on va jouer le mode histoire. Bon, j'ai fait un petit bout, hein, mais voilà, c'était juste pour le test. On va y aller, on commence en vrai, oui. On va faire une nouvelle partie. C'est parti. Je peux avec certitude affirmer qu'il existe un nombre infini d'univers. Certains ressemblent au nôtre, excepté un ou deux événements marquants. Ils sont en tout point identiques. Ouais, c'est ça la théorie des mondes parallèles, mes petits. Et ça, c'est ce qui arrive quand on fait trop confiance aux médias, le peuple finit par se retourner contre vous. Le symbole du Daily Planet en est la preuve. Je dis pas ça parce que j'enregistre ça entre les deux tours des présidentielles, hein, pas du tout. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh ouais, Métropolis est détruite. Des millions de morts. Oh putain, comment ça lag! Ouh là là! Ouh là là, je sais que c'est un portage d'un jeu PS3, mais waouh! Oh là là! Ah! C'est Stefan Rochevski qui fait le Joker! Alias Michael Kyle, si vous connaissez. L'ogive, où tu l'as eu? Pourquoi? Tu en veux une? Oh, ça lag, c'est moche! Oula, alors le son est un peu saturé. Il va falloir que je règle ça. Babouli n'est pas content! Laisse-moi faire. Superman n'est vraiment pas content. Tu m'as drogué. Tu m'as... Lois, mon fils. D'abord Krypton, puis Métropolis.
tes proches ont tendance à sauter, pas vrai? Superman, non! J'aime ça chez toi, Superman. Tu es bien plus naïf que... que Batman. Ouh! Tu n'as aucun moyen de me faire peur. Et Stéphane Rochefsky fait également la voix du Joker dans The Dark Knight. Pour la petite précision. Par magie, et qu'elle sera en sécurité. Si grand, si bête. Toi, tu vas te faire défoncer. J'ai encore énormément de choses à faire. Oui, j'ai une élection présidentielle à gagner. Oh. Oh, la punchline! Voilà. Et donc, le Joker est mort. Et si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé, parce que Superman parle de « Tu m'as drogué, tu m'as Loïs, mon fils », eh bien, je vous recommande de lire le premier comics. Vous allez voir exactement ce qui s'est passé. Et c'est vraiment très dur. Vous allez voir que le Joker est complètement fou. Et que il a réussi là où tous les autres méchants ont échoué à buter Superman en fait. Ah, Green Lantern. Par contre, ils disent ailleurs, mais ailleurs où? Non, Arès. Sinestro, ça ne marche pas comme ça. Ah, par contre, le lag là, c'est pas possible. Hein. Franchement, pour un portage PS4, c'est une honte ça. Eh, touchez pas à The Rock. Hein. Parce que les rumeurs disent que pour le prochain film Shazam, le Black Adam serait interprété par un certain Dwayne Johnson, alias The Rock, mon héros. Avant que Luthor ne nous envoie autre chose. Ah! Doomsday, le seul être à avoir réussi à tuer Superman. Nous aurions dû combiner l'assaut. Clark oublie parfois qu'il ne peut pas tout régler seul. Eh ouais, c'est vrai qu'il est fort, mais Diana et Arthur Curry sont tous aussi forts que toi. Ah, El Gringo. El Gringo est là, alias Bane. Tu interromps le divertissement de ce soir, Raven. Je déteste la violence, Luthor. Mais je te trouve encore pire. Il me semblait qu'elle avait une voix un peu plus aiguë, Raven. C'est peut-être parce que j'étais trop habitué aux Teen Titans, mais bon. Ouh, Solomon Grundy, pas content. Tu pourrais arranger tout ça. Je m'appelle Cyborg, pas Monsieur Miracle. Nightwing à Batman, t'es là? Ah, Nightwing. Je vais d'abord à Arkham. Je vais voir si Luthor ne l'a pas fait sortir. Plus tard, on est en train de dérouiller, là. Je me dépêche, Dick. Dick! J'ai vraiment du mal avec ce nom. Ça fait des heures qu'il n'a pas bougé. Et vous avez regardé? Non, non. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est la preuve de votre incompétence, mes chers gardiens d'Arkham Asylum. Comment le Joker a fait? Ce n'est pas lui, le vrai piège. Derrière. Et derrière nous. Tu es si malin. Ah, Deathstroke. Le gars qui a inspiré Deadpool, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Non mais Deathstroke, tu ne fais pas le poids au corps à corps. Hein. Tu es le pantin de Luthor, Deathstroke? Il paye bien. Et en prime, j'ai le plaisir de tuer Batman. Ah, cool. Bon, par contre, avant ça... Non, ça suffit. Pré-réglage manette. Ah mince, je peux pas changer le... Ah merde. Je ne peux pas changer le son. Petite ellipse, je reviens tout de suite. J'ai le plaisir de tuer Batman. Non, tu n'y arriveras pas. Ok. Donc, pour ce jeu-là... Wow, on se calme, Deathstroke. On se calme. Donc là, c'est un jeu style Mortal Kombat, parce que c'est le même studio qui l'a fait, en fait. Au niveau des touches, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un carré, c'est des coups classiques.
Triangle, c'est des coups forts, je crois. Croix, c'est des coups un peu plus spéciaux. Et rond, c'est pour activer le spécial. Vous avez vu le petit, la petite chauve-souris qui est apparue derrière moi. Enfin, qui est apparue au niveau de la barre de... Au niveau de la barre en bas à gauche. Et en fait, c'est le spécial qui est propre à chacun des... Oh là, Destro, qu'on se calme. Donc ouais, on a ça, qu'est-ce que je peux faire avec mon spécial? D'accord, donc en fait c'est des chauves-souris que je peux envoyer sur Deathstroke, mais faut pouvoir contrôler ça. Et au niveau des barres de vie, donc il n'y a pas de round 1, round 2, à partir du moment où on finit l'une des deux barres, on reset un peu les coups, et l'autre fait sa petite provoque pour déclencher le round suivant. Oh là, défense. Ouf, c'était chaud. Alors, le spécial, pour l'activer... Alors, je n'ai pas encore assez de barres pour le faire. Ah mince, j'ai raté mon coup. Tu devras me tuer. Très bien. Ah ouais, voilà. Donc là, c'est pour le choc des titans. Vous choisissez la quantité d'énergie que vous allez mettre pour savoir si vous allez remporter ou non le duel. Là, je savais que Deathstroke n'avait qu'une barre, donc j'en ai utilisé deux. Et du coup, ça m'empêche d'utiliser le spécial. Et ça, c'est chiant. Désolé, Deathstroke. Pas de prime pour toi. Et non, Batman est bien trop fort pour toi. À vous. Nightwing. Tour de garde, c'est le satellite qui orbite autour de la Terre et qui est en fait le QG de la Ligue de Justice. Pour que ceux qui sont pas au courant. Non, Hawkgirl. Apprends ta place, c'est Doomsday, tu peux pas le vaincre. Par contre, Wonder Woman a une chance. Et voilà. Bien joué, Shazam. Je ne parle pas de l'application téléphone. Et Green Arrow, évidemment. D'accord. Il veut garder en vie... C'était quoi? La colère des dieux, Flash. La colère des dieux. Et on devient quoi? Ah. C'est pas suffisant pour tuer Doomsday, vous êtes bien d'accord? C'est qui, ça? Diables qui font le ménage. C'est Superman? J'ai pas eu le temps de voir. Non mais Cyborg, attention. Prends ta place. Ouh, le Nightwing. Bien, s'il n'y a plus rien pour nous interrompre. Ah. J'ai mis presque 2 minutes à craquer ton corps. Beau travail. Ouais, mais... 2 minutes, c'est pas beaucoup. Je vais te briser le dos. Ouais, non, tu me l'as déjà fait dans Dark Knight Rises. Aïe! Dans Dark Knight Rises, on va se calmer quand même. Hein. Voilà. Viens ici. Et ce qu'il y a de bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on peut utiliser les dangers d'arène exactement comme dans Mortal Kombat 9 et 10. Genre ça. Bang! On appuie sur R1 quand le jeu nous indique qu'on peut le faire. Et en fait, ça va déclencher un... Ça a déclenché un truc. Par exemple, vous voyez ce globe là? Je vais essayer de vous montrer. Aïe, Ben, non, ça suffit. Voilà. Tu vois, je prends ce globe. Ah non, je pensais qu'on pouvait le prendre. Ah, c'est parce qu'il est pas assez fort, d'accord. Donc oui, Bane a retourné son truc contre moi. Ok. Tiens, bim. Et, ah oui. Bam, voilà. Et j'avais oublié les projections aussi. Enfin, les prises. Viens là. Non mais, les prises, j'ai dit. Les prises. Comment on fait les prises? Oula. Oh non, c'est une prise. Oh, c'est pas vrai. Aïe. Et c'est ainsi qu'il a brisé le dos de Batman dans Dark Knight Rises, si vous l'avez vu. Ok. Je briserai la chauve-souris. Je suis plutôt solide. Non, moi je ne parie rien du tout. Et là, ça a fait régalité parce que normalement, il ne peut rien parier. Voilà. Par contre, je vais déclencher ma super en appuyant sur L2 et R2. Et là... Électrocution. Coup de genou. Batarang. Et... Spot de sécurité routière. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi à chaque fois que le mec est KO, il se relève et il te retombe ensuite. On dirait un catcheur. Les génies le sont souvent. Les psychopathes dans ton genre. Les héros, vous êtes tous les mêmes. C'est encore moins impressionnant de près. La patience a des limites. Ah. Voilà.
Ah mince. Ah mince, il faut que j'appuie sur... Ok. Bang. Faut lui détruire un peu l'armure, je crois. Carré. Rond. Carré. Rond. Non mais, Luthor, recule. Bang. Rond. Là, il va un peu plus vite. Triangle. Voilà, ne pas stresser. Carré. Rond. Voilà, c'est bon. Oh, c'était juste. C'était juste. Est-ce que ça va me donner un avantage pour le prochain combat? Eh oui! Je lui ai enlevé un quart de sa life complète. Loupé. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais plus ce que c'est, ça. Ah oui, c'est imparable, ça, par contre. Voilà. Et c'est encore. Du coup... Ah, par contre, qu'est-ce qu'il fait là, le Martian Manhunter? Tu pourrais m'aider, wesh. Tu fais partie de la Ligue de Justice. Aide-moi. J'en sais rien. Ah, je crois que ça annule un coup, son spécial à Luthor. Non, loupé. Ton attaque orbitale a complètement raté. Aïe, aïe, aïe. Tiens, approche. J'ai une petite surprise pour toi. Approche, approche. Voilà. Tout dans les bras. Oh, purée. Tu as peur. Ce qui est bien, c'est que les dialogues, à ce moment-là, ils sont toujours personnalisés. Ouais, ouais, évidemment. Et il a récupéré de la santé. Oh, c'est pas vrai. Viens ici. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et c'est ça, génie. Ah, il va te faire sauter. Ah non, il désactive l'armure, d'accord. Superman, au rapport. C'est terminé. Les autres finissent. J'emmène Doomsday dans l'espace. Assure-toi de l'emmener assez loin. Ce serait con qu'il revienne. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'alarme, occupe-toi de tes affaires. Toujours des petites punchlines comme ça. Radiologique, Métropolis. Je vois déjà les gros titres. Les justiciers échouent, le clown fait un massacre. Mais tais-toi, Luthor. La Ligue disparaît et la ville bien aimée de Superman est réduite à néant. Je consolerai bien la plèbe en offrant de la rebâtir à mon image, bien sûr. Oh. Il avait fini. Ici, merci, Nightwing. Code rouge, tous à vos coordonnées. Vite. C'est pas du tout pédant comme statuette. Hein. Penser à... Oui, voilà. Monsieur J, ça marche. Pudding. Y en a un qui est pas content. Dans le van, armé. Batman et moi avons à parler. Mais Pudding. Oh. Ouh. Pars. Tu n'as rien à faire ici. Ça, c'est pour toutes les filles qui rêvent d'une relation Joker-Harley Quinn. C'est exactement pour ça que vous ne devez pas souhaiter ce genre de choses. C'est très malsain comme relation. Dommage pour toi. Ah ah. Qu'est-ce qui te prend? Je n'ai qu'à la mettre en marche. C'est de ce bouton que tu dois te méfier. Tase-le. Occupe-le, Chris. Vas-y, Flash. Ne t'attends pas, Barry. Fonce. Tu appuies, il y aura 8 millions de morts. 8 millions d'eux, l'ami. Je voulais profiter de ce petit feu d'artifice à bonne distance, mais puisque tu es là, m'apporterais-tu cette dernière danse? N'empêche, c'est bizarre venant du Joker de se suicider en emmenant son pire ennemi avec lui. Je pensais qu'il voulait genre vivre longtemps pour pouvoir emmerder Superman assez longtemps. Batman assez longtemps. Et là... Zip. Hein? Mais qu'est-ce qui cloche avec ce truc? Bah ta bombe elle est pas là. C'est sûrement de ta faute.
C'est parce qu'il est black, c'est ça. Non mais Joker, Joker, Joker. Respecte-toi un peu. J'étais peut-être trop sentimental avant. Ce sera bien mieux sans toi. C'est parti. Ah oui, et ça aussi c'est un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant arrière-avant et la touche, c'est souvent des projections, des attaques à distance. Oh, 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 hé, hé, hé. Aïe. Aïe. J'ai pas eu le temps de les balancer, c'est pas vrai. Bon, ça suffit. J'en ai marre. Hein ? Oh purée, il a bloqué mon super. Oh, c'est pas possible. Souris. C'est ce que je fais. Ouais, non. Je ne parie rien parce qu'il va gagner forcément. Voilà, il a utilisé tout. Donc ça servait à rien de gaspiller une barre. Juste pour ça. Bon. Ah purée, il reste plus beaucoup de temps. Non, j'ai perdu de toute façon. Eh, il fait mal le Joker en fait. Ah. Allez. Voilà, je crois que je peux gagner. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Je gagne à 3 secondes de la fin. Et hop, votre Uber est arrivé. Voilà. Ne bouge plus. Ouais, niveau 36. C'est normal, c'est parce que j'ai fait quand même quelques combats avant de... Avant de jouer, tout simplement. Qui est-ce ? Quand on dit qu'un black tout seul dans la rue, pas de truc. Tellement ils t'ont pas respecté. Ouais. Ah, ça c'est le disque du club Dorothée, ça. Disque laser du club Dorothée. Kagebunchi no Jutsu! Et il a disparu. Amateur, pense à effacer ton disque dur. C'est pas des insurgés? Juste de la racaille. Ce crétin du clan de Joker qu'on a presque eu. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait perdu Batman. Ouais, faudrait pas que le grand patron l'apprenne. C'est un cauchemar. C'est normal. C'est normal. Ah, Gotham. On va jouer avec Hal Jordan, je Alors, crois. Déplacement temporel, monde alternatif. L'un ou l'autre. On est peut-être dans une autre dimension, où les événements de notre réalité ont changé et on est dans un nouveau présent. Il faut tirer ça au clair. Et vite. Si la bombe du Joker a explosé, on doit y aller. La tour de garde devrait avoir relevé des anomalies, non? Elle n'existe peut-être même pas. Je n'arrive pas à la joindre. On doit le découvrir. Pour savoir ce qui arrive à la tour de garde... Une femme à bague rechargée. Lisez les le comics. Archives d'Atlantis. Si c'est une autre réalité, on peut y trouver la trace de l'événement déclencheur. Si Atlantis existe. Ça vaut la peine de vérifier. Allons voir ce qui se passe là-bas tous les deux. Anno, où est la batterie la plus proche? L'aéroport de Ferris, à Coast City. Ah, au moins ça n'a pas changé. Reste à couvert, je reviens tout de suite. Vas-y, Al. Tu as dit que la batterie était où? Bureau de Carol Ferris, à gauche au prochain hall, troisième porte à droite. C'est la quatrième porte. T'es costaud, Dido. Oh. Je n'ai pas peur de toi, gamin. Si tu as peur, je peux le sentir. Raven, Cyborg. Je ne veux absolument pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est ta toute dernière chance d'accepter la mystie du haut conseiller Deathstroke. Être rééduqué par votre programme. Et devenir une marionnette. Comme vous. Ah. Le patron est chez les mains. Slade, fais gaffe à ce que tu dis. La plupart des titans sont morts à Métropolis il y a 5 ans. J'ai rien à voir. Pour voir ce qui s'est passé aussi, lisez le comics. Tu restes du mauvais côté de la loi. Va dire ça à ton patron. Bon.
C'est ça. Raven, ça suffit. T'es redevenu vert. Quelque chose cloche. C'est Hal Jordan. Mais. Reculez. C'est terminé. Ce n'est pas le nôtre. Tu sens sa douleur? Pas encore. Oh! Le vert et le violet, c'est joli comme mélange, mais. Voilà. L'anneau c'est vert, c'est la puissance de la volonté. Je t'arrête. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Ok, j'ai rechargé mon anneau. Ah, j'ai raté mon coup. Aïe. Bon, alors, deux petites secondes. J'ai besoin de voir exactement comment on se bat avec Green Lantern. Ok. Donc ouais, si vous remarquez bien, c'est en... En faisant des... Il n'y a pas de quart de cercle à la Street Fighter ou quoi. C'est beaucoup de simples directions. Gauche, droite, arrière, avant. Vous voyez, il y a quelques listes de combos d'ailleurs. Clac. Attends, je sais qu'on pouvait faire du... On pouvait utiliser un comment ça s'appelle ? Un Gatling. Mais je sais plus comment on fait. Frappe de volée. D'accord. Triple barrage, corps des lanternes en plein jour. D'accord. Aïe. Lâche-moi. Allez, amène-toi. Allez. Marteau de Thor. Sécurité routière. La puissance de l'Amérique. Par contre, j'ai pas fait énormément de dégâts. Aïe. Aïe. Ah mais je déteste quand elle fait ça. Raven, ça suffit maintenant. Damn. Paf. Mange le mur. Mais ça franchement c'est bizarre. Hein. Vraiment le fait de se relever et de retomber ensuite, c'est n'importe quoi. Bon, qui est ce haut conseiller, celui qui a fait de toi une brute de seconde zone? Tu vas voir la seconde zone. Toi, parlez, maintenant. Hey. Ok. C'est complètement raciste. Dans lesquels tu t'es Michel Leb serait fier. Ouh. Et du traitement que je réserve à ta sale tête. Ok. Je te tiens. Oh non, il l'a bloqué. Oh, c'est pas vrai. Ah, du coup, il va tout mettre. Vas-y. Pour le corps. Diaf. Boum. Oh, purée, il a récupéré toute sa santé. Tiens. Aïe. Booyah. Je t'en foutrais des booyahs. Voilà. Un cyborg terminé au missile. Même si 18 est plus fort que toi. Ma tête est toujours là. Sale vermine. J'aurais dû me tuer. Lâche-moi. Non, je ne suis pas avec eux. Qui que tu sois, ils te connaissent. Ils t'attrapent. Et toi, t'as le cran de refuser leur amnistie. Parce que t'es pas d'ici. Qui pourrait bien tenir des méta comme eux en laisse? Hal, tu es là? Hal! Wonder Woman. Reviens ici de toute urgence. Sinestro est là. Sinestro? Il attaque les citoyens qui sont... J'arrive. Je dois recharger mon anneau. Et toi et moi, on va faire un petit tour. Eh, c'est Deathstroke, hein. Faut pas lui en demander trop non plus. L'anneau de la peur. Vu la peur qu'il inspire aux gens, il est très puissant, Sinestro. Je serais heureux de voir Green Arrow mourir à nouveau. Mourir à nouveau? Si vous voulez savoir aussi comment il est mort, lisez le comics. Green Arrow et Hal Jordan. Parce que sa mort est vraiment dure. Surtout pour sa meuf, Black Canary. Bloqué! J'ai tendance à bloquer. Bloqué! Ah mince, loupé. Nada! Combat de tronçonneuse. Ah mince. Ah purée. J'ai été pris de court. Bon, non, pas le missile. Prends ça, Sinestro. Assieds-toi bien sûr, la banquette. Mais ta planète natale ne te suffit plus, Sinestro. Le gouvernement de Terre Unie est similaire au mien sur Korugar. Une alliance était logique. Mais bien sûr. Pour l'instant, je tolère les humains. Même Hal Jordan.
Alors mon double a bien rejoint ton camp. Ouais. Comme tous ceux qui souhaitaient vivre. Viens avec moi si tu veux vivre. Bon, Sinestro, tu me lâches. Le Green Lantern est meilleur que le Yellow Lantern, d'accord? La volonté est toujours plus forte que la peur, mon gars. Bam! Bon, Sinestro, approche. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Vermine humaine. Mauvais et raciste. Ouais, raciste. Paf! Et j'ai perdu, évidemment. Mais au moins, il a pas récupéré beaucoup de santé. Oh, oh. Oh purée, il s'est pris pour... comment il s'appelle l'autre là? Pour Docteur Octopus. Je refuse d'être arrêté. Again. Bah alors Wonder Woman, c'est Sinestro quoi. T'es une déesse? On m'a appelé. Ah. Tu es avec Sinestro? Sinestro a raison. La peur est plus puissante que la volonté. Non, 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 non. Alors exit le vert et bonjour le jaune. La couleur des larges. La couleur des traîtres, surtout. Je prône toujours l'ordre, comme les gardiens. Hé, hé. Ils doivent être fiers de toi. C'est facile de jouer les saints quand on ne sait pas. Arrête. Je vais me botter les fesses. Je vais me botter les fesses. Aouh, aouh, aouh. Aïe. Bon, je me fais mal, là, par contre. Bon, arrête... Arrête ça, moi. Ce n'est pas le moment, ma maman. Bon, ça suffit. Voilà. Allez. Marteau de Thor. Sécurité routière. Make America great again. Merci. Oh. Ah ouais? Il est ici. Ah, je me suis fait défoncer. Ah, c'est pas vrai. Bon. Il est chiant. Je vais me botter les fesses. Je vais t'apprendre la peur. Je suis un mauvais élève. Vas-y. Mais franchement, ouais, ces dialogues personnalisés sont vraiment excellents. Bon, ok. 25%. Voilà. T'es mort. Bang! Bam! Et sous l'œil des gardiens, je rends la justice. Ne te relève pas. C'était bizarre. Ouais, c'est bizarre de se battre contre soi-même. Ouais, tout ce jaune, ça fait mal aux yeux. Nous devons partir. Se cacher de la police? Il n'y a personne de bon ici? Je suis pas sûr. Peut-être bien que si. Toujours rien? La signature énergétique du parc n'est pas dans la base de données. Et si je vibrais à la même fréquence que cette signature et que je les suivais? On ne sait pas s'ils sont allés dans un endroit dangereux. S'ils sont allés quelque part, Superman a raison, c'est trop risqué. Donc ça, c'est dans le... rapide pour les attraper au dans la Terre originale, on va dire. On les trouvera. Il le faut. Putain, je kifferais avoir cette vitesse, c'est franchement. C'est un plaisir rare, votre Altesse. Je veux connaître le gouvernement de la surface. Histoire et structure actuelle. Ah, pour les négociations du traité avec le Haut Conseiller. Hein? Oui, la discussion du traité... Mais oui, bien sûr, je sais exactement de quoi on parle. Superman s'est montré peu pas du tout. À dévoiler les secrets de son gouvernement. Dis-moi ce que tu sais. Raconte-moi le déroulement de son ascension. Eh non, 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 on ne parle pas de Emmanuel Macron ou de Marine Le Stylo, ça suffit. C'est un honneur, sire. Il y a 5 ans, le criminel du nom de Joker a poussé Superman à tuer sa femme et l'enfant qu'elle portait, et à détruire par la même occasion la ville de Metropolis. Fou de chagrin, Superman a tué le Joker. Oui. Tout le monde se souvient de ce jour comme si c'était hier. Je me rappelle de cette théière. J'aime beaucoup cette théière. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Si vous avez les références, faites-moi signe. Le monde de la surface avait besoin d'une autorité forte. Superman a donc assis son pouvoir. Il a créé le gouvernement Terre Uni. Les institutions démocratiques ont été balayées. Eh ouais. Sire, les émissaires du Haut Conseiller vous attendent dans la salle du trône. Et ça, si vous voulez savoir exactement comment ça s'est passé, lisez le premier comics.
je vous le recommande. Parce qu'en fait, Superman, pour asseoir son pouvoir, il a un peu décidé de régler tous les conflits par lui-même, genre le conflit israélo-palestinien, des trucs comme ça et tout. Genre il les a mis dans une il a mis le premier ministre israélien dans une pièce avec le ministre palestinien, il leur a fait vous avez 3 heures pour vous mettre d'accord. Si vous trouvez pas un accord, j'en ferai un pour vous deux. Oui. Nous devons parler de choses importantes. Le traité. La version finale. Shazam. Superman est ravi que vous l'ayez accepté. Et Flash de l'univers où ils sont méchants. Y a-t-il un problème, Votre Altesse ? C'est un asservissement total. Superman régnera sur Atlantis. Oui, mais on t'a dit, il faut pas lire tout ce qui est en petit caractère. Vous me menacez ? Faites attention. Nous avons des ordres. Alors, faut qu'on m'explique comment Aquaman peut être plus rapide que Flash. Ouh ! Allez dire à Superman qu'il n'aura jamais Atlantis. Je t'aime bien Flash, mais... BAM ! Les tablettes de Skelos. Putain, le pauvre Flash, il peut rien faire. Je vais t'embrocher comme on... Comme on embroche de la viande pour un barbecue. Viens ici. Voilà, doucement. Aouh. Voilà. Je ne plaisante pas. Moi non plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, force vélos. Il est passé en mode force vélos. Je crois que c'était ça son spécial. Bougez tellement vite que je bouge au ralenti. Aou, aou, aou. Bon, par contre, mon spécial, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tiens. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça suffit. Tiens. Et hop, Mako Tsunami, fais ton office. T'as vu ce que t'as fait? T'as tout détruit. Non, je ne plaisante pas, évidemment. Maudit soit vos ordres. Shazam, pas content non plus. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je veux parler à Superman. On ne parle pas à Superman. On fait ce qu'il ordonne. Et tu vas tenir tes promesses. Quelles promesses ? J'ai rien tenu du tout, moi. BAM ! Ow. Techniquement, j'ai un peu le désavantage. Shazam, c'est un peu le dieu de la foudre et... Je maîtrise l'eau. Normalement, si on en reste sur Pokémon, un Pikachu a beaucoup plus l'avantage sur un Carapuce, tu vois. Voilà, cadeau. Ah, là, tête d'eau, tu ne peux pas esquiver. Voilà. Quoi ? Mais non ! Mais non, là, c'est abusé. Tu ne vaincras pas le mortel le plus fort. Et j'ai perdu, évidemment. Mais au moins, je l'ai empêché de récupérer trop de santé. Voilà, au moins, je n'ai pas perdu une barre de vie complète. C'est cool. Vous faites de piètres diplomates. Oh, Jimmy Punchline, mec. Eh bien, c'est la dimension parallèle. Qui t'envoie, usurpateur ? Manta ? Ocean Master ? Je suis le roi d'Atlantis, et je n'obéis à personne, contrairement à toi. Surveille ta langue. Quoi ? Tu donnerais ton royaume comme une vieille paire de chaussettes à un habitant de la surface ? Le traité oblige Superman à préserver les océans de la Terre et reconnaître notre indépendance. Tu mets ton armée à son service. Une concession nécessaire. Ou plutôt un apaisement. Je suis là de tout ceci. Emmenez-le. T'es sérieux, là? Je suis toi, je sais comment me battre contre mes hommes,
Et c'est pas parce que tu fais un traité avec Marine le Stylo que forcément ça va arranger le sort d'Atlantis. Voilà. Non mais... Retournez à l'entraînement, vous deux, là. Bim ! Oh, 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 doucement, doucement. Ah, je perds l'avantage. Non, non. Je voulais te proposer mon aide, mais j'ai changé d'avis. Ouais. J'ai plutôt envie de me battre contre mon double. Ah, oh, oh. Ah, il fait mal. Tiens, il est écrit dans les tablettes de Skellos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire empêcher Superman de vaincre Aquaman. Non mais, hé hey. Là, ça va marcher. Tu vas voir qui c'est le véritable dieu des océans. Allez, mangez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Abdique, tu n'es bon qu'à ça. Oh, ça m'aurait pas plu. Ah, ça, ça fait mal par contre. Voilà, couché. Parlons maintenant des réformes de la politique étrangère. Hein, monsieur Macron? Tuez-le. Mais t'as pas... Ah, ça... C'est quelqu'un d'autre. Non mais ça sert à rien de faire comme John Cena. Ils ont tendance à frapper la mort, n'est-ce pas? Ah, c'est Arès. Mais j'ai peut-être un peu attisé les flammes. Bah ouais, mais t'as besoin de la guerre pour rester en vie, toi. Que fais-tu ici? Enfin, pour garder de la puissance, je veux dire. Je me nourris des conflits. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je jeûnais. J'ai senti le retour des tensions et cherché la source. Tu as fait plus. Tu nous as conduits ici. Non, mais je sais qui l'a fait. Ma flamme n'a pas besoin d'être attisée. Dis-moi qui. Tu penses pouvoir me commander? Exact. Et tu vas m'obéir. Oula, tu t'attaques à un titan, là. Bon, par contre, ça fait 4 fois que je me bats chez moi, là. J'en ai un peu marre. Voilà. Par Neptune. C'est-à-dire ton frère, Poséidon. Voilà. Ah mince. Un poisson hors de l'eau. Tu n'es pas de taille. Il a récupéré je sais pas combien de santé. Purée, un tiers de santé. Tu es faible, Arès. Bah oui. Superman a réglé tous les conflits. Superman, ne laisse aucune place au conflit. Voilà. Il m'a presque privé de mes pouvoirs. Si tu ne nous as pas amenés ici, alors qui? Ceux qui refusent le règne de Superman. Les insurgés. Des héros? Ouais. Un seul. Les autres héros qui ont défié Superman ont été éliminés. Il les a tués. Ouais. Et les seuls survivants sont ceux qui l'ont rejoint. Ainsi qu'un petit nombre d'anciens criminels, dont l'allégeance a été achetée, ou forcée. Il est tombé bien bas, Superman, quand même. Je dois contacter mes amis. Mais dans un sens, c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. Ils expliquent bien ce qui pourrait se passer si Superman venait à tout perdre. Comment t'es venu? Arès. Pas notre Arès. On sait. Voici leur Batman. Je me demandais comment te faire revenir d'Atlantis. Migraine? J'essaie de l'éviter. C'est un améliorateur de résistance. 5U93R. Comment une pilule peut... Technologie kryptonienne. Elle augmente la force de tension des os et des tissus de plusieurs milliers de pourcents. Ouais.
Et ceci, mesdames et messieurs, est un stratagème pour essayer d'équilibrer les rapports de force entre les différents héros, genre entre Batman et Superman. Oui. Et c'est franchement bien joué. Pas maléfique. Ils obéissent à Superman par crainte. Ou parce qu'ils le croient et qu'ils ont perdu tout recul. Ouais. Alors il ne reste que toi. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu survécu? Il est avec moi. Contrairement à votre Luthor, je ne suis jamais devenu un criminel. Superman est loin de se douter que son meilleur ami finance l'insurrection. Le rôle l'agent double est un secret. Les gens qui s'opposent à Superman disparaissent. Hommes politiques, activistes, journalistes. Maintenant que nous sommes ici, dis-nous pourquoi tu nous as choisis. Et pourquoi tu n'as rien demandé avant de nous enlever? On était occupés. La bombe nucléaire, elle n'a pas explosé. Votre transfert l'en a empêché. Comment tu sais pour... Voilà un moment que nous surveillons votre monde, vous quatre en particulier. J'ai une arme pour neutraliser Superman. Un laser alimenté par la kryptonite qui... Attends, une arme à kryptonite? Si tu le tues, tu ne vaux pas mieux que lui. Je n'ai pas parlé de le tuer. Elle le neutralisera, rien de plus. Bon, là on commence à parler. J'ai besoin de votre ADN pour la déverrouiller. Ça par contre, je ne sais pas si ce sera expliqué dans les comics, vu que les comics ne sont pas encore terminés. Le collier fonctionne. Bien. La rééducation n'aurait pas eu d'effet sur lui. Tu ne veux pas que je reste ? Cal, je sais que tu n'as pas perdu ta super Wii. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Avec nous ? Bien sûr. Je n'essaie pas de la remplacer. Je pensais juste... Je sais. Vas-y, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. J'y vais. Je voulais simplement te dire que Lanterne... En chemin ? On dirait que ma super Wii fonctionne. Au conseiller, j'adore le style de Diana. On a un problème. J'ai rencontré le double de Diana. Et quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Oliver Queen. Et à Hal Jordan. Quoi ? Trouve-les. Et tous ceux qui pourraient les accompagner. I wanna know everything. Ah, j'aime battre avec le Joker, ça c'est cool. Chouette balade, tu es vraiment drôle. T'es sûr que la bande vit bien par ici? C'est vrai, il pourrait être mort. Oh, respectez la loi, je t'en foutrais. Allez, dessin, dépêche-toi. Intéressant. Ma réputation me précède. T'es censé être un dieu ici, mon gars. Ouh! En plein dans le buffet! Non, ne pars pas. La ferme clown. Oh, tu t'es fait mal à ta petite jambe. Et si on te brisait le cou aussi, tant qu'on y est? Ouais, et du coup, je suppose que c'est parce que... Au, au, au! Donc ouais, je suppose que c'est parce que le Joker a aussi mangé une de ces pilules de Viagra super puissante. Oh oh, Batman, du calme. Une petite surprise pour toi. Oh non, je voulais voir c'était quoi son coup là. Et maintenant, ma chère petite chauve grimace. Mettons un sourire sur ce visage. Ah. On ne peut pas précipiter un si beau moment. Fais dodo. Ne vas pas t'amuser sans moi. Batman, ça fait un bail. Lève-toi, allons-y. Je ne crois pas au girl. Ouh.
Et je n'ai pas ma caméra. J'aurais pu faire 10 millions de vues. Ouais, j'avoue, sur YouTube, ça aurait plutôt bien marché. Pied droit. Parfait. Oui ? Superman, bonne nouvelle. On a capturé Batman. J'arrive tout de suite. Ah ça, par contre, c'est chaud. Mettre en esclavage Doomsday comme ça, pour en faire une arme personnelle, c'est chaud. Oh, il me manque déjà. Bon, j'en étais où avant d'être brutalement interrompu ? Truffé de plan. Ah. Harley ? Arlene. Arlene Quinzel. On dit qu'un taré s'était habillé en Joker et qu'il affrontait un pseudo Batman. Tu as le style et beaucoup de cran. Ce que tu n'as pas, c'est le droit. C'était un héros. Tu ne mérites pas de lécher ces pompes funèbres. Allez, c'est moi, le Joker. Lécher ces pompes funèbres. Regarde, c'est écrit là sur mes sous-vêtements. C'est pas drôle, taré. Personne ne fait semblant d'être Monsieur J. Gloire à J, gloire à J. Oh, J, c'est ici. Non, raté. Ouais, petit cadeau. Bim. J'ai été blessé par le coup ou pas? J'ai pas vu. Je croyais que tu m'aimais. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Bon, je me suis fait défoncer. Bon, par contre, il y avait un truc aussi qui était assez important dans ce jeu-là, c'est le fait qu'on puisse changer d'endroit pour se battre. Mais je ne sais plus comment on fait. Bon, ça suffit. Voilà. Oh! Violence conjugale, c'est pas du tout mon style. Voilà, couché. Comment elle tombe? Est-ce qu'on est calmé? C'est toi? Ta façon de bouger? Ta façon de... frapper? Eh ben, oui. C'est l'amour. Tu as senti l'amour, non? Qui aime bien châtie bien. Je me sens à nouveau moi-même. Le Joker est mort, mais tu es... Ce n'est pas ma Gotham, mais je suis le Joker, ma chère. Suis-je ton Joker, Harley? Pudding! Oh! Il y a des gens que je dois te présenter. Pudding, 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 Pudding. C'est absolument pas mignon du tout. Superman pas content. Ok, Bruce, tu as de la visite. Coup de peigne. Beau travail, Al. Comment as-tu... C'est pas lui. Quoi? Son ADN est celui de Bruce Wayne, mais pas ses signes vitaux. Tu es l'un des doubles. Dis-moi ce que tu fais là. Mais comment il peut le savoir? Il a été transporté par erreur. J'adore ce que tu as fait de cet endroit. Arkham n'a jamais été aussi beau. Chers membres du clan du Joker, vous connaissez la vérité sur l'incident de Metropolis. Superman a tué tous ces gens. Puis il a voulu me tuer, moi. Bouh ! J'admire tout ce que vous avez fait en mon nom. Perturbation, diversion, ces épines plantées dans le derrière de Superman. Mais voyons les choses en grand. Quel génie. Harley m'a dit que Superman a fait cette pilule pour ses petits copains. Puis les insurgés de Bat Boy l'ont eu. Aujourd'hui, nous l'avons aussi. Avec ça, un bus peut nous rouler dessus et on ne sentira rien. Nous tenons le gag ultime. Et voilà, maintenant je suis aussi fort que tout le monde. Enfin, que Superman surtout.
petit roquet va devenir un rhinocéros enragé. Le coussapeteur, une mine. Le Joker, un roi. On n'a pas le temps de niaiser. J'aurais dû mourir. Merci, petit merci, le Viagra. Non mais Hope Girl, c'est bon quoi. Revenu d'entre les morts, ce costume était mieux sous terre. Ce n'est pas mon 31, mais il est confortable. Et pratique. Yeah. Je vais me faire plaisir de te livrer à Superman. Oh, pas ce soir, chérie. Tu as la migraine. Oula, le décalage. Tu as la migraine. Ah oh. Dang! Ah mince, elle est pas morte. Voilà, couché. Je frappe, donc je suis. Je sais. Charmant enfant. Si on fait abstraction des plumes. Adieu, mon vilain petit canard. Oula, oula. Oh le lag! Oh le lag! Faites correspondre les touches pour le lancer de carte. Bang! Ça va, c'est plutôt facile pour l'instant. Les Jokers meurent ici. Bang! Bang! Ouais, c'est plutôt bien. Amène-toi. Bref, retourne au début. Bref, voilà. Mini champion. Hey, hey. Alors le Batmios a rejoint Superman. Dis-moi, lequel à l'époque est plus goûteuse? Batman est un criminel, tout comme toi. Rien à voir. Alors tu es un héros dans ton monde? Oh non, mon petit. C'est juste que Batman corrompt les jeunes esprits, alors que... les extraits de leur crâne. Ah. C'est beaucoup mieux, effectivement. Je crois que j'ai découvert une petite faiblesse. Justement, vu qu'on ne peut pas tous... on ne peut pas tous utiliser les dangers d'arène comme on le veut. Ce qui est bizarre, c'est que certains... Normalement, on est censé avoir la même force que Superman, Batman, tout ça. Mais alors pourquoi on ne peut pas, justement... Donc ce que je voulais dire, c'est que... Bon, Nightwing, ça suffit. Ah mince. Aïe. Bon, ça va, c'est bon. Ouf, ça fait mal. Cadeau. Voilà. Et là, t'es mort. Hop. Paf. Cadeau, la dent. Boum. Couché. Je dois dire à Batman qu'il y a un deuil dans la famille. Ouais. Voir Dick Grayson. Quoique non, ce n'est pas Dick Grayson. Ça doit être Damian Wayne, du coup. On est en sous-nombre, pardon. Je pense que c'est ça, ça doit être Damian Wayne. Et pas Dick Grayson, comme ça devrait normalement être. Pourquoi je dis ça? Lisez le comics, vous comprendrez vite. Oh, le lag. Ah non, mais le portage, il est dégueulasse, par contre. C'est pas digne d'une PS4. Je vais éteindre ça, maintenant. Merci d'être venu aussi vite, Batman. Salut, les gars. On fait quoi, maintenant? Quelqu'un veut des pancakes? Joker. Quoi? Ah! Pourquoi? Elle n'aime pas les pancakes? À quoi est-ce que tu joues, Arlene? Qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur J peut nous être d'un grand secours. Alors, tu nous as suivis dans notre petite expédition. Et je suppose qu'il n'est pas arrivé tout seul. Où est Batman? En voilà un, juste là. Ah. Tes yeux... maléfiques. Comme les siens. Bah oui, mais c'est Joker, Superman, mec. Ses copains volants ont pris Batman. Mon Batman. Notre
Batman. Tais-toi, ou je te menotte et je te livre à la police. Alors pourquoi tu m'as aidé à la fuir? Aïe! Si Batman a été capturé, on doit le libérer. Pour libérer votre Batman, on doit terminer notre mission. Ouh, j'adore l'émission. Négatif. Quelle émission de télé? Profil bas. Vous êtes une cible à présent. Et puis vous êtes trop dangereux en liberté. D'autres arriveront bientôt. Partez, je vous rejoindrai. Plus tard. Je ne t'aime pas. Mais moi non plus. Vous les avez trouvés? Une dimension parallèle. Maintenant, comment est-ce qu'on y va? On n'y va pas. On les attire ici. Sans risquer une expédition. Bien. Mais le problème est toujours le même. Comment on fait? Comment faire? Avec ça. On va modifier mon tapis roulant cosmique et les ramener tous d'un coup. On a du boulot. Alors son tapis roulant cosmique, si je me rappelle bien, il me semble que c'est avec ça qu'il peut charger. La lune. Je sais plus exactement. Son reflet lumineux sur ton crâne chauve. Merci d'être venu. Tu es enfin prêt à rejoindre le club? Les affaires vont mal et je suis chassé. Après tant de refus, pourquoi maintenant? C'est devenu personnel. Ouais. Ah, on va jouer avec Robin des Bois. Ça a dû être une sacrée fête. Superman a fait ça? Il a dévoilé mon identité et gelé tous les biens de Wayne Tech. Il a fait disparaître Bruce Wayne. J'arrive pas à croire qu'il soit fou à ce point, même avec ce que le Joker a fait. Dans son esprit, il a détruit Metropolis. C'est pire que tout. Pas. Le Joker a agi sur l'esprit de Superman pour lui faire croire qu'il combattait Doomsday. Mais c'était Lois. Lisez le comics pour savoir comment ça s'est passé. Au cœur de Lois, lorsqu'elle et le bébé sont morts, Metropolis est morte aussi. Superman était vulnérable. Peut-être pour la première fois de sa vie. Sa peur a gagné. Green Arrow est mort en essayant de lui expliquer. Ouais. Changeons de sujet. C'est pas très agréable de savoir comment on est mort. Je veux dire, il a déjà tout détruit. Tu prendrais le risque avec moi? Je dois relancer le générateur auxiliaire de la Batcave. Viens avec moi. Vous trois, sécurisez l'entrée de la Batcave. Elle est dans le bureau. C'est super tout ça, mon grand, mais... c'est ton problème, non? Ça nous fera gagner du temps. Et tu es le mieux placé pour détruire les canons de surveillance automatiques. Très bien. Opération tonnerre de l'aigle foudroyant. Bref, c'est parti. Here we go. Il hésite pas sur la sécurité, le Bruce Wayne. Qui est là-dedans? Froid. Ah, Killer Frost. C'est Killer Frost qui est là-dedans. Oh merde. Il s'est fait avoir. Bêtement. Killer Frost. J'aime bien sa crête. À toi. Ah, Solomon Grundy. Allez, comme dans le Seigneur des Anneaux. Non, c'est dans la tête qu'il fallait le mettre. Oh merde. Bim. Non mais tu combats un zombie, mec. Fais gaffe. Une flèche blessée, Grundy. Babouli n'est pas content. Ah d'accord, il faut que je vise. Cinq, six, sept, voilà. Écraser un flèche. Non, tu n'écraseras personne. Ah.
Bam. Tas de compost. Tuez Homme Flèche. Non, tu tueras personne. Je vais pas traiter. Au. Pourquoi il fait tout bouger comme ça? Non, j'y étais. Oh, c'est pas vrai. Encore. Petit blessé, Homme Flèche. Ah ouais? Amène-toi. Bon, qu'est-ce que j'ai perdu? Mais non, mais non, mais j'ai pris un coup. Me dis pas que j'ai perdu le quart. C'est n'importe quoi. Bon, Grundy, c'est bon. Celle-là, c'est pour toi. Et j'ai pris une flèche dans le genou. Oh, oh, oh. Oh. Aïe, aïe, aïe. De smash. Non, mais lâche-moi, arrête. On dirait Braun Strowman. Quoi? What? C'était quoi ça? Oh, je vais mourir. Ma pierre tombale. Oh. Ouais, voilà. J'en étais sûr. Ah, damn it. Ouais, et moi t'assassiner. Mais comment on esquive le truc de Grundy, là? Ouh. Ouh, le smash. Oh, il était violent. T'es mort. Attention. Tassin. Voilà. Ouf. On dirait que la pilule indestructo marche. Ouais. Oh, pour l'amour de... Lanterne, grand slam. Boum. La foule est déchaînée. Pas dans la rue. Stupide Amazon. Elle a fini en iceberg. C'était pas sympa, Blanche-Neige. C'était pas sympa, Blanche-Neige. Oh mince. Ouf. C'est pas passé loin. Tu la fermes jamais? Un mardi sur deux. Un mardi sur deux. T'es mort. Deux. Voilà. Touché en plein vol, ça c'était beau. Je pensais que ça me réchaufferait. Qu'est-ce que j'ai raté? Tout roule? Frosty, comment va Grundy? Il nage. En orbite. Tu plaisantes. Oh. Grundy est un zombie, ça ira. Allons-y. Superman ne mettra pas longtemps à nous repérer. Alors il te faut une sorte de scanner pour t'aider à identifier les doubles. Exactement. Voilà les données du double de Batman que je détiens, Stryker. C'est utile, mais ça prendra quand même quelques semaines. Tu y arriveras, comme d'habitude. Comme d'habitude. Pas de dîner ce soir. Stéphane a reçu une livraison de ce bœuf du Kansas. La prochaine fois. Ouais, c'est les beaufs de ton Kansas chéri à Smallville. C'est... double. Tu crois qu'il y a une Lois, là d'où il vient? Oh non. Superman, il non. Il n'y avait qu'une Lois. Superman n'y pense même pas. J'ai jamais vu la Batcave. La nôtre, en tout cas. Ça va être... bizarre. Intéressant. Ouais, il s'en est passé des choses dans cette Batcave. Ça, Superman. Il semble avoir cherché partout. Les murs de la grotte contiennent du polymère de plomb. Il n'a pas pu trouver ce qu'on vient chercher. Ça doit être bon pour l'environnement. Tu t'es donné beaucoup de mal. Entre ça et l'ADN... Je ne pouvais pas décider de neutraliser Superman tout seul.
J'ai donc mis l'arme dans un coffre qui ne s'ouvre qu'avec le prélèvement simultané de l'ADN des alliés proches de Superman. Ça par contre, j'aimerais bien savoir comment il l'a créé ce truc. Green Arrow étant mort, et les autres soutenant la folie de Superman, j'avais besoin de vous, de votre ADN. C'est par derrière. Lanterne. Franchement, j'adore ce qu'il matérialise Green Lantern avec son anneau. C'est génial. Entre des avions, des missiles, des Gatling. En même temps, son passé de militaire, c'est normal, quoi. Superman. Mais pas n'importe quel rocher. Tu regardes les couleurs des personnes, ça fait vraiment Power Rangers. Hein. T'as le jaune, t'as le vert, t'as la rouge. Enfin non, t'as deux verts, ça compte pas. Bon, on va dire le blanc, vu que le blanc dans Mighty Morphin Power Rangers, c'était le vert, l'ancien vert. Main sur les scanners. Jaune. Ordinateur, lance la reconnaissance. Ah ouais? Et pourquoi c'est moi qui suis le jaune? Parce que t'es une pédale, ok? Dans la mallette, il y a... C'est bon. Allons-y. Oula. C'était qui, ça? Superman? Ah non. Enfin, Wonder Woman et... Baisse ta garde, à tes risques et c'est Black Adam. The Rock. Non mais... Attends, c'est Wonder Woman, là. Notre Green Arrow était tout aussi arrogant. Et certainement aussi beau. Bon, Wonder Woman, je t'aime bien, hein. T'es une très bonne... T'es une, vraiment une super-héroïne, mais... Là, ce que t'es en train de faire, c'est pas cool. Oh, 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 oh! Le lasso de vérité! Ça fait mal. Oh, oh, oh! Bon, Wonder Woman, laissez-moi tranquille. C'est bon. Ouh, ouh, ouh. Le, on aurait dit un EX Rebellion de... Comment il s'appelle le con, là, dans... De Nekali, voilà. Autre chose, notre Wonder Woman est bien plus belle. Ah, c'est pas dit, hein. Ouh. Dassin. Va gueuler Shazam, je crois. Shazam! Non, même pas. Ça suffit, Adam. C'est fini. Tu parles un peu trop vite. Ouh! Ça reste quand même un dieu de la foudre. Enfin... Il a le pouvoir de 5 dieux, ce gars-là. Il ne peut en rester qu'un. Ouais, mais c'est moi qu'il faut battre. À la fin, il n'en restera qu'un. Amène-toi, Black Adam. Oh, je l'ai loupé. Attention. Ah non, c'est bon. C'est l'explosion qui compte. Pourquoi résister? Votre vol est annulé. Votre vol est annulé. Bon, j'ai perdu. Voilà, récupère un peu de santé. Ah, aïe, aïe, les nuages. Il s'est pris pour Nami de One Piece ou quoi, là? Ah. Voilà. Une flèche. Une seule. Et 4 avec Sparky. Et de 4. Merde. On peut le réparer? La kryptonite est intacte, mais le résonateur optique est irréparable. Même avec Luthor, on ne pourra pas en fabriquer un autre assez vite. On va avoir besoin d'aide. Ouais. Vous êtes dans la merde. Ah bah si, elle est toujours là, la tour de garde. On ne peut plus près. Ah non, mais c'est la tour de garde dans l'autre... Système activé. Je suis connecté. Flash, t'es prêt? J'y suis.
vite. Ok, on y va, c'est parti. Plus vite. Plus vite. La plateforme devrait verrouiller leur signature et les ramener. Ça y est, je résonne à la bonne fréquence. Ça se passe comment? Champ de confinement ok, mais les niveaux s'affolent. Ça va casser. Cyborg, coupe tout! C'est bon, je l'ai! Ah merde. Bon bah il s'est fait transporter. Allez Victor Stone, tu peux le faire. Ça c'est génial. Je sais pas si je dois me mettre une tape dans le dos. Ou un coup de pied. L'ex-corp fournit l'équipement, mais on manque de main d'œuvre. Le clan du Joker est dangereux, ingérable. Le chaos qu'il sème nous est utile. Il nous faut plus que des pions si on veut éliminer Superman. C'est tout ce que je voulais entendre. Miaou. Je croyais que cet endroit était sûr. Occupe-le. Avec plaisir. Ok. Oh, pas mal. Attends, c'est quoi son coup spécial à Cyborg? Ah, il l'a bloqué. Ah non, c'est bon. Ah. Canon pénis. Voilà. Couché. Le plaisir est pour moi, Slade. Si seulement les autres titans voyaient ça. Qu'est-ce que t'as dit, Cyborg? La même que toi, mais en mieux. Je ne crois pas, non. C'est l'homme, pas la machine, Luthor. C'est exactement ce que disait Iron Man. Oh, le triple combo. Voilà, coup de tête. Enfin, coup de genou dans la tête. Problème de garde-robe. Du calme, Cyborg. Ils sont avec nous. Bienvenue à Oz, homme de fer. Ok, j'ai loupé un truc. C'est une longue histoire. Je préférais quand même la première tenue. Il a pris un grand risque en revenant ici. Pourquoi? La kryptonite. Je dois les débusquer. Vite. D'accord. On en Je crois qu'ils attendent ils attendent le livreur de kebab. Et revenez avec des renforts. Je suis sûr que je peux. On n'a pas le temps. Il y a 5 ans, un tragique événement a fait des millions de victimes. Accablé par la culpabilité d'avoir joué un rôle dans ce massacre, il est devenu fou. C'est devenu un agent du chaos, un ennemi de la paix et de la sécurité. C'est terminé. Le chef de l'insurrection va payer pour ses crimes. Oh, j'aime pas ça. À 19h, heure locale, Batman sera exécuté sur l'île de Stryker. Que Rao ait pitié de son âme. Rao? C'est qui ça? Les renforts devront attendre. Le sauvetage de Batman est notre priorité. C'est un piège, évidemment. Mais évidemment que c'est un Alors piège. On va devoir être plus malin. Malin comment? Le téléporteur de la tour de garde. Stryker est équipé de dispositifs anti-téléportation. Il ne couvre que le bâtiment. Il suffit de faire sortir Batman. Droit dans un mur de briques, j'en suis. Il faut une diversion pour tenir Superman occupé. Je m'en occupe. Je prendrai le téléporteur. Je suis le plus qualifié pour ça. Et... je peux infiltrer leur rang. Je te suis. Toi et moi, travailler ensemble? Même pas en rêve. Le seul accès à la tour de garde depuis la Terre est le hall de justice. C'est vrai que dans les Teen Titans, Monsieur Slade était un ennemi juré au Teen Titans, justement. Les communications devraient être par là. Redirige-les comme prévu, et je récupérerai les codes du téléporteur.
Et quand t'as fini, assure-toi de... C'est pas ma première sortie. Je connais le plan. Alors suis-le. Quels que soient tes griefs contre mon double ici, je n'y suis pour rien. J'ai téléchargé ton dossier. T'as essayé de tuer des titans dans ce monde. Seulement quelques fois. Alors ne t'attends pas à ce qu'on devienne amis. Sois au téléporteur dans 15 minutes. Ok. Pas maintenant. Salut, Victor. Salut. Tu serais pas malade ? Non. Ça va. C'est bon pour ce soir ? Désolé, je dois annuler. Nouvel ordre. Et depuis quand ça t'arrête ? Ouais, on a passé... du bon temps. Non, jamais. Évidemment. Tu es l'un d'entre eux. Voyons si je peux trouver ton bouton off. Ouais. Bon, on va voir si je peux trouver ton petit catnip. Histoire de te calmer un peu. Oh. Oh là, elle a une manière de trancher, on dirait Cars dans Jojo's. Couché. Désolé, en fait je n'ai pas d'herbe à chat. Bien, je suis toujours sur le coup. Tu t'es fait pirater, mon gars. Cyborg à Wonder Woman, j'ai trouvé un double de moi. Compris, j'envoie des renforts. Wonder Woman terminé. T'en fais pas, je pirate juste ton réseau neural. Ok. Qui va être le plus rapide à pirater l'autre ? Et si je te retournais la faveur ? Qui va être le plus rapide des deux ? Vous êtes similaires ? Pour de vrai. Comme des hommes. Ça me va. Fine by me. Voilà, couché. Broyer. La position ne me va vraiment pas. Tu l'as eu avant moi. Encore un contrat perdu ? Celui-là était personnel. Je croyais que rien n'était personnel pour toi. C'est devenu personnel quand il m'a torturé. Oh. Comme quoi, personne n'est parfait. Hein, Victor Stone ? Ça y est, j'ai le contrôle du téléporteur. C'est un peu trop facile. Quand ton cyborg a voulu pirater mon réseau neural, il a exposé ses protocoles de sécurité. Tu as volé son mot de passe. Je crois que tu commences à me plaire. Et où tu vas ? Le plan était de rester... Ce sera pas long. T'inquiète. Il y a toujours une part d'incertitude chez lui. Il a dit que c'était bien, et moi, ça m'a suffi. Ouais, je me suis demandé. Et si ce qui est arrivé à Loïs arrivait à Iris ? Au départ, c'était logique. Les méchants avaient ce qu'ils méritaient. Mais là... Superman ne va pas vraiment tuer Batman. C'est un appât. Pour attraper le vrai Batman. Et après ? Tu as oublié ce qu'il a fait à Green Arrow ? Ouais, j'ai pas oublié. C'était vraiment pas cool. Le téléporteur ne marche pas. Tu voulais aller quelque part ? Comment as-tu... Alors ça, c'est bien joué. Bang ! Bravo, Deathstroke. Tu vas perdre, héros. Tu vas perdre, Zéro. Hey, il est plutôt maniable celui-là. Puis avec les guns, c'est plutôt bien. Oh, ouh. Hey, Shazam, tu te calmes, d'accord? Pff,
Ouh, le souplex de la foudre. Bon, je n'arrive pas à comprendre ce qu'est le spécial de... Bam! Bam! Ah ouais, il fait vraiment mal son spécial. Tiens! Tu n'es qu'un gamin. Billy Batson. Effectivement, ce n'est qu'un gamin. Oula. Ce n'est pas ce que je fais. Mais ce que j'ai fait. Ouais, c'est trop. T'es arrivé trop tard, mon petit. Oh mince. Ah, purée. Ouh. Oh, ça fait vraiment mal. C'est à mon tour. Oh, il l'a bloqué. Mais non. Oh, purée. Bon, ça c'était complètement raté. Hein? Voilà. Un coup de crosse dans ta tête. Le final approche, et tu es aux premières loges. Normal. Il faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce que t'as fait? Le réacteur est foutu. Règle d'or de la guerre, éliminer le commandement. Satellite est la clé du régime de Superman. Bon sang, t'as compromis toute la mission. C'est Superman ma priorité, pas votre Batman. C'est ça qui est génial avec Deathstroke, c'est que tu peux pas vraiment le contrôler. Le réacteur va exploser. Tu peux l'empêcher? Il est incontrôlable, vous avez 90 minutes. On est bientôt prêt. Batman, terminé. Je dois téléporter tout le monde. Beau travail, messieurs. Je suis occupé, Luthor, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de Deathstroke. Pourquoi? J'ai appris que Ferris Industries a un prototype technologique qui pourrait me permettre de réarmer la kryptonite de Batman. Vous devez l'apporter. Est-ce que Batman est au courant? Non, il aurait insisté pour utiliser l'arme lui-même. Je dois le faire. Batman est le visage de l'insurrection. S'il meurt, elle meurt avec lui. Lex Luthor risquant sa vie pour sauver Batman. J'aimerais y croire. Envoie-moi les coordonnées. Harleen, dis à tes hommes d'être prêts. Occupez les forces de l'ordre autant que possible. Oui, Batchef. Je m'en occupe. Oui, Batchef. Puis-je porter vos vêtements au pressing? Nettoyer la Batmobile? Ah, enfin libre. Il va me tuer. C'est pas de lui que je m'inquiéterai. Mon ange. Allons-y. Pouvoir le réparer, mais ça peut prendre du temps. Une partie du panneau de contrôle était conçue pour fonctionner avec les implants du cyborg. Nous devons essayer. C'est la question, on appelle ça un single point of failure en informatique. Dépêche-toi, Frost. Je suis attendu chez Stryker. J'ai découvert des anomalies. Des déchirures dans le tissu de l'espace-temps. J'ai eu ton message. Viens-en au fait. Je crois que ce sont les endroits où sont arrivés les doubles. Celui-là pourrait être la source du transfert. L'insurrection. Je ne sais pas encore. C'est juste une hypothèse. Superman se fiche des hypothèses. Il veut des faits. Pourquoi me déranges-tu avec ça? Envoie les coordonnées à Flash. Il sera le plus rapide pour aller voir sur place. C'est fait. Y a-t-il un... Belle investigation. Mais c'est trop tard. Comment elle s'est fait neutraliser la Wonder Woman? Voilà, t'es morte. Bang, bang. Pah! Voilà. Facile. Tes tactiques sont unidimensionnelles.
Oui, en effet. Exactement. Contrôle ta ligne centrale. Je ne tiendrai pas longtemps. On t'a offert une chance, Deathstroke. Tu aurais dû la saisir. Et perdre une occasion de me battre contre le bouche-trou de Superman. Comment? Je suis une Amazone. Une race surannée, aux techniques prévisibles. Essaie de relever le niveau. Surprends-moi. Come on. Ah, j'avoue. Le bruit qu'il fait, son bouclier, on dirait le bouclier de Captain America. Je ne suis pas impressionné. Alors, c'est quoi ? Cyborg, je l'ai. Amène-moi à Luthor. Bien reçu. J'espère que ça vaut le coup. Batman, t'es prêt ? On n'a plus que 45 minutes. On est en position. Lancez l'assaut. Il a toutes ses têtes, Sinestro, n'empêche. Superman est vraiment pas content. C'est ainsi qu'Aquaman attaqua Superman avec ses Lord Helix. Ils sont là. C'est pas du tout ce qui était écrit. Alors ça m'étonne, comment Black Adam il a pu s'allier à Superman? Techniquement il est avec personne. Et surtout contre Shazam. Bonjour, Bruce. Tu es toujours aussi bel homme. Arrête, Selina. Je regrette, Bruce. Je me suis alliée à lui pour te protéger. Il m'a dit que si je l'aidais à te trouver, il... m'épargnerait. Je ne l'ai pas cru, mais on y a gagné du temps. J'ai fait diversion. Maigre consolation pour ceux qui sont morts à la place. Ouais. Surtout que, techniquement... Bon sang, Bruce. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai... Tu crois vraiment que je suis là par hasard? Allons-nous-en. Nous pouvons vivre loin de lui, vivre ensemble. Il n'y a plus de nous, Selina. Salaud. J'ai une mission à faire. Kuja ! Tout comme moi. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est Gorilla Grotte, non ? J'aime pas faire ça, Selina. Mais je crois que c'est Gorilla Grodd. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Ouh! Ah, elle a réussi à le déclencher. Ah. Aïe! Aïe! Paf! Ça fait mal. Le chaton a des griffes? Ma patience a des limites. Moi aussi. Voilà, un petit coup de genou. Tu as choisi le mauvais camp, Selina. Et pourtant, tu étais du bon côté avant. Il t'a recueilli, entraîné. C'est vrai qu'il peut être pénible, mais de là à le trahir pour Superman. Je ne suis pas Dick Grayson. Ouais. C'est Damian Wayne. Exactement. Wayne, son fils. C'est son fils. Mais Superman a été plus un père pour moi que tu ne l'as jamais été. Tu as cessé d'être mon fils quand tu as tué Dick Grayson. Ouais. Mais t'es mon fils. Ça, c'est quand même dur à entendre, ça. Attends, est-ce qu'on peut l'envoyer sur le singe? Ah oui! On peut l'envoyer sur le singe. Mais je suis sûr que c'est Gorilla Grodd. C'est bizarre quand même qu'il soit là. Et donc, si vous lisez les comics, Damian Wayne a rejoint les rangs de Superman après que Dick Grayson soit mort. C'était pas complètement de sa faute. Il l'a frappé. Son cou est tombé sur une pierre. Il s'est brisé le cou. Il est mort.
tout simplement. Et c'est encore. Et le truc, c'est que il avait gardé, enfin, Damian Wayne avait gardé le costume de Robin, mais de savoir à pourquoi il a repris le costume de Nightwing, ça, je ne sais pas. Bon, arrête de me taper, je suis ton père quand même. Bon, j'en ai marre. Tu es consigné dans ta chambre. Tiens, ça t'apprendra à me désobéir. Allez hop, retourne chez ta mère. D'ailleurs, j'ai... Ouf! Mais non! Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il ne l'a fait que... à ce moment-là. Donc, je n'ai pas perdu grand-chose. Très mauvaise stratégie, mon fils. Je t'avais appris mieux que ça. Je suis plus jeune et plus rapide. Tu n'es pas moi. Perdu. Ah ouais. Voilà. Désolé, mon fils. Tu es mort pour moi. Oh, ça c'est dur. Wayne. Allons-nous-en. Ouais, barrons-nous d'ici. Lord Helix vaincra, les gens. Rien face à la puissance d'Atlantis. Nous avons survécu à tout. Nous avons survécu au Race. Nous avons survécu au Réplicateur. On peut jouer aussi. T'inquiète, on peut jouer. Ouf, il a passé un sale quart d'heure. Alors c'est toi la cause de toute cette agitation. Je pourrais en dire autant de toi. Oula. Oh, je peux rien faire. Je ne peux pas me contrôler. Raven. Rends-toi, Batman. Esquivation. Loupé. Je te tiens. Non mais laisse tomber. Je suis trop rapide pour toi. Tu ne peux pas continuer. Bam. Oh. On dirait le prince Arthur dans... comment il s'appelle ? Prince Arthur dans Le Signe et la Princesse. Le retour à l'envoyeur. Votre taxi est arrivé. Relève-toi et à genoux. Voilà. Je m'excuserai plus tard. Raven, montre-toi. Bonjour Raven. D'accord. Au revoir Raven. Pas un mot de tout ça aux autres. Doucement, mon grand. Tu peux marcher? T'inquiète. Ouh, le Jordan. Fais-le sortir. Je ne te laisserai pas. Dépêche-toi. Regardez qui voilà. Inspecteur Gadget. Va te faire mal. Ma patience est délimitée. Ouais, j'en ai marre. Ah, t'as perdu. J'avais plus d'énergie que toi. Oh, mais je me suis protégé. Oh, c'est pas vrai. Allez, change de décor. Bon, bah t'es mort. Voilà. C'est Superman l'ennemi, Al. Pas moi.
Oula. Ça fait un peu mal, ça. Mais pas tellement. Amène-le dans l'eau, tu seras plus fort comme ça. Amène-le dans l'eau. Ouh. Pas vaincre Superman en vitesse. Tu peux pas le vaincre en vitesse. Oh, ok. Oh, ça, ça fait mal. Lâche-le, lâche-le. C'est qui en bas? C'est pas à ce moment-là qu'on disparaît. Merde. Ah. La téléportation ratée. Tu pensais pouvoir me duper, Bruce? Comme lui? Il ne s'agit pas du Joker, mais de toi. J'ai perfectionné ce monde. Tant de vies ont été perdues parce que je n'ai rien fait au lieu d'utiliser tout mon pouvoir. Pourquoi? Contrôler? Oppresser? J'aurais pu préserver Metropolis, sauver ma famille. Le crime a emporté ma famille aussi, Clark. Mais ce n'était pas toi, l'arme. Maintenant. Ah. La tour de garde. Ouf. Je sais pas qui est dedans. La babouline n'est pas content. Tu t'es fait eu. Et donc tu vas t'envoler dans l'espace comme un Sputnik rose bonbon. Superman, c'est terminé. C'est qui ça déjà? Qui c'est qui parle comme ça? On a encore peu d'informations sur l'île de Stryker. Les forces de l'insurrection l'ont attaqué il y a 90 minutes. Quoi? André est sur place. On retrouve André Garcia en direct. André... José Garcia? Merci, Rob. C'est le chaos ici. Le haut conseiller Superman et les forces de Terre Unie affrontent en ce moment une armée de créatures marines géantes. Les méta-humains résistent, mais l'armée régulière est en déroute totale. Batman étant en prison... Il est quand même classe, Lex Luthor, comme ça. Aucune idée. Nous ne pouvons pas le voir d'où nous sommes. Les créatures ont-elles franchi les défenses de la prison? Ok, il a pris son Viagra, c'est cool. Fermeture de l'armure. André? Et il a rien à envier à Iron Man, perso. Contrôle des systèmes de vol. Système paré. Connexion établie. Schéma de commande neurale en ligne. Tu voles au-dessus de l'écran radar. Fallait descendre à moins de 15 mètres du sol. Balance des leurs. Heureusement que t'as mangé ton Viagra ce matin. Contrôle des avaries. Évaluation des dégâts. Non, contrôle des avaries. Lancement de la recharge solaire. Propulsion HS. Oh. Combien de temps? Faire un jogging. Restauration totale dans 15 minutes. Bon sang. Oh non, pas toi. Oh non, pas toi. Humpty Dumpty s'est pris un camion. Humpty Dumpty a vraiment l'air d'un... J'adore la couleur. Ça fait ressortir tes yeux. C'est plutôt chouette. Si vous ne voulez pas voir Superman l'emporter, dégagez. Tous les deux. Tu essaies de battre Superman? Ton meilleur pote? Un mensonge. Inventé pour pouvoir aider l'insurrection. Eh bien, ça s'appelle un agent et si double. On partageait.
Sois gentil, veux-tu? Aide Monsieur Luthor à enlever mon armure. Tout de suite, chérie. Je ne crois pas. Allez. Je vais vite regretter ça. Ouf. Déchaîné. Bon, j'en ai marre. Big Bang Attack! Ouais, c'est ça, c'est une Big Bang Attack en fait qu'il a sorti. Oh purée! C'est de la bombe! C'est de la bombe, bébé! Bon, il était un peu moisi son couard, les couilles. Allez, au dodo. Rends-toi service, Arline. Ne l'approche plus. Pas de démission. Je la vire. Je ne supporte plus ton odeur de défaite. Quoi? Oh, ne t'en fais pas. Les indemnités de licenciement sont larges. Joker! Non, non, va sauver le monde. Je m'occupe de ça. Tu me remercieras plus tard, Arline. Ouais. Il a un gros souci, le Joker, avec toi. Voilà. Je vais réussir, enfin. Heureusement que t'as mangé ta pilule ce matin. Bon, Big Bang Attack, j'en ai marre. Frappe orbitale. The best attack of Vegeta, Big Bang Attack. Voilà. Peut-être que Superman avait raison à ton sujet. Peut-être. Tu voulais me tuer. Je vais effacer ce sourire de ton visage. Arline, non. Il allait me... J'arrive pas à croire que je me sois encore fait avoir. Il savait exactement comment s'y prendre. Tu n'y es pour rien. Il est comme ça. Et en plus, t'es psy, t'aurais dû le voir venir, ça, quand même, hein? Ils sont pas traduits. Hey there, over there. Doucement, les gars, il est des nôtres. Contrairement à lui. Occupe-toi de lui. Enferme-le bien cette fois. Ils ont oublié de doubler la voix des thugs. Les gars vont semer la pagaille. Occupe-toi de Superman. Allez, leur délix. Bon, les batailles de qui non, c'est pas possible. Hein. J'ai ce qu'il te faut. Et non. Oh. Non, tu peux pas lutter contre deux personnes comme ça. Ah. Green Lantern, aide Wonder Woman. T'es sûr? Je m'occupe de ces deux-là. Fonce. Bon, Hawk Girl et Black Adam. Bon, The Rock, ça suffit. Je t'aime bien, mais laisse Luthor tranquille. Ah, c'est plutôt bien joué, ça. Bon, c'est pas pour dire, mais Hawkgirl a fait un peu de figuration quand même, là, non? Tu, on touche pas à ça. Ta ceinture en métal Emph, donne-la-moi. La source de mes pouvoirs, tu rêves. Je te donne une chance. On peut en finir sans verser de sang. Trop tard. Tu as perdu, Hawk Girl. Aucune chance. T'as pas de chance, Hawk Girl. Pour une autre victoire de canard.
Attends, mais de en haut là-bas, là, c'est pas Captain Atom? Oh! Oula, oula, oula. Il manque les rayons X quand même, vu les cris qu'il a poussé, il manquerait le. C'est les. Les fameuses. Les fameux rayons X de. Comment il s'appelle ce truc? De Mortal Kombat 9. Non, mais complètement raté. Bon, j'en ai marre. The best attack of Vegeta! Big Bang Attack! Enfin, c'était plus un Genkidama qu'autre chose. T'es pas un guerrier. Je suis bien plus que ça. Ouais. Malheureusement, je ne vais pas gagner ce duel. Ouais, c'est pas ce qui me semblait. Tiens. Coucher. Je l'avais dit. Aucune chance. Maintenant, il va falloir s'occuper de Black Adam. Ah non, c'est Shazam carrément. Ouf. Bouclier. Depuis quand t'es avec eux? Depuis que Superman a décidé de nous mener comme des moutons. Superman ne veut que notre bien. Nous ne sommes pas ses jouets. Et ce n'est pas un dieu. J'ai beau aimer Billy Batson, ça ne reste quand même qu'un gamin. Rien de bon ne ressort de l'idolâtrie. Tu n'es encore qu'un gamin, Billy Batson. Statut. Circuit interne endommagé à 60%. Vol désactivé. Encore? Qu'est-ce qui m'échappe? La tour de garde? Ah, d'accord. Des victimes? Tout le personnel a bien été évacué. Superman a été pris dans l'explosion, mais il n'a rien. Mais tu peux pas tuer Superman avec une charge nucléaire. Il y a toujours le soleil. Superman ! C'est terminé ! Donc c'était Luthor. Arrivée prévue, 12 secondes. Je le vois. Portée maximale des armes, 1500 mètres. Verrouillage de la cible dans 7 secondes. Est-ce que t'auras le temps de le toucher ? Une seconde. Oh, Shazam! Ah là. Là, je pense qu'il est crevé, là. Ah, il est mort. Ah non, pas encore. Je te faisais confiance. Tu m'as trahi. Qui a trahi qui? J'ai apporté la paix. Mais pas comme ta ça. Paix. Ta paix est un mensonge. Tu vas pas tuer ton meilleur pote comme ça, quoi. Ouf, j'ai entendu des os craquer, là. Réagit comme un gamin pourri gâté, le Superman. Et puis Billy, tu te rends quand même compte que c'est pas bien ce qu'il fait là, non? Ah, les mecs, je vous jure. Les doubles. Ils ont créé une insurrection. Nous devons éliminer cette vermine. La contestation mène à l'anarchie. Nous ne devons pas les laisser faire. Je les ai sauvés. Protégés.
Est-ce qu'ils sont reconnaissants? Est-ce qu'ils apprécient ma protection? Non. Ils se plaignent, se lamentent, s'allient à ces criminels. S'ils préfèrent le chaos, je vais le leur donner. Mais... Métropolis et Gotham, je vais les raser. Elles serviront d'exemple. Ensuite, il va falloir te calmer. Je découvrirai la dimension d'où viennent ces doubles. Ils paieront pour être intervenus. Attends, on va raser des villes entières? Envahir des mondes dans d'autres dimensions? Ça te pose un problème, Billy? Ben... ouais. C'est de la folie. Ça va trop loin. Le monde des hommes ne peut pas s'autogouverner. Nous devons préserver l'ordre. Non! Non! Il doit y avoir des limites. Même pour nous. Surtout pour nous. Ça suffit! On ne peut pas faire ça. Vous êtes devenus fous. Lois Norrish... Je... Ouh! T'as quand même tué un gamin, là. Superman. Non. Ça ne se fait pas. Quelqu'un d'autre ? Cyborg, Raven, vous allez prendre le contrôle des médias. Je veux que tout le monde voit ça. Wonder Woman, Hawk Girl, Adam, venez avec moi. Sinestro, mobilise tes forces au sol. Lanterne, Flash, préparez Doomsday. Mmh. Là, il est vraiment sérieux, quoi. Emmène-le dehors. Grundy creusé trop. Grundy enterré. Pauvre Billy, quoi. Il a quand même que 14 ans, le dude. C'est là que tu vois à quel point il est chaud. Il avait raison. On n'a pas signé pour ça. On a fait notre boulot. On a éliminé le crime. Mais pas comme ça. Un criminel. C'était... dommage collatéral acceptable. Acceptable ? C'est un gamin ! J'ai voulu me convaincre qu'on améliorait les choses. Mais c'est faux. Je ne peux pas continuer. J'arrête. Tu as envie de mourir ? C'est trop tard. Parle pour toi. Au revoir, Al. Tu ne peux pas partir. Ah oui, c'est vrai qu'il peut vibrer à n'importe quelle fréquence pour traverser les murs. Ça. Bon entraînement, non? Garde donc ton souffle. Emmène-toi. Voilà. Couché. Tu ne m'as pas laissé le choix, Al. Hey, toi, faire quoi, homme-chef? Grundy écrasé, petit amoureux! Laisse tomber, Grundy. C'est trop dur, monsieur, moi j'arrête, hein. Tiens. Grundy smash! Grundy smash, t'es sérieux? Tiens. Le coup de poing de Pégase. Ah. J'ai jamais été fan des zombies. Vraiment excellent comme super-héros, Flash. Mais je sais que tu peux aller plus vite que ça. Ceux que j'ai réunis ici sont l'élite. Les soldats les plus braves et les plus forts de cette planète. Ceci est une mission héroïque. Elle requerra que vous transcendiez votre humanité. Incarnez les valeurs les plus hautes de Terre Unie. Obéissance. Ordre. Contrôle. Ceux qui contesteront les ordres du Haut Conseiller. Ceux-là seront exécutés sans scrupule, ni hésitation.
Dit même s'entendre parler. Escadron, rassemblement. Autobots, rassemblement. Trois pas. Maintenant, Sinestro, assez parlé. Oui, en effet. Tu peux essayer de vibrer à une certaine vitesse pour passer à travers. Flash. Ah ouais, carrément jusqu'au manoir de Wayne. Debout, je sais que tu peux faire mieux que ça. Flash. Le moment est mal choisi, non? Tu as raison. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Bah ouais. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je ne peux pas te laisser comme ça. Et la construction, ça va? Les insurgés. Ça va. Imhotep. Black Canary. Qu'est-ce que t'en dis, bel oiseau? Toujours parfait? Bon sang, Oli, c'est bien toi? En personne. Où est Batman? Mon Batman? Il est quelque part à n'assassiner personne. Oh, arrête, Oli, tu ne peux pas me toucher. C'était pas le but. Boum! Pour être rapide, faut penser vite. Non, mais on est du même côté! Un Green Arrow, là, putain! Bon, j'en ai marre. Allez. Par la comète de Pégase. Je peux te toucher en mouvement. Je peux riposter. Moi aussi. Voilà, moins de barre pour toi. Oh. Il peut gagner encore. Ah! Bim! Oh non, c'est pas assez. C'est bon. C'est pas passé loin. Ça suffit, Oli. Je suis de ton côté. Il faut absolument que tu m'écoutes. Écoutez-moi. Gotham et Metropolis vont disparaître. Ensuite, il se prendra je me battre contre Wonder Woman. J'arrive pas à y croire. C'est de la folie. On doit l'arrêter. Ça va être un sacré combat. Non. Je vous ai fait venir pour l'arme à Kryptonite. Et ce plan a échoué. Rentrez chez vous. Je détruirai le transporteur interdimensionnel après. Ça ne l'empêchera pas de venir. Ça vous laissera le temps de vous préparer. Luthor s'est sacrifié pour nous. On ne peut pas le déshonorer en partant. Eh bien, c'est pas sur cette terre que j'aurais entendu ce truc-là. On amène notre Superman. On termine ce combat. On a assez d'un Superman dans ce monde. Il n'est pas comme le vôtre. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Ouh. C'est qui? Ah ouais. Seigneur Lita, tu apprendras à me craindre. Pourquoi Superman t'a épargné, Bane? Il apprécie mon savoir-faire. Ah purée, faut que je bloque. Alors... Fais ta prière. N'empêche, les mecs ont toujours la propension de toucher les bracelets de Wonder Woman. Ils pourraient tirer ailleurs. Ok, faut que je reste dans le... C'est bon. Je vais te briser comme une allumette. Bam! Ah, j'ai raté mon coup. Ah! Pour son mode à Diana, c'est de changer de mode en fait. Soit je passe en mode lasso, soit je passe en mode épée bouclier. Et ça, c'est cool. Bon, Bane, ça suffit.
Oh là. Ah, c'est une chope, c'est vrai. Oh. Ouf. Oh, les prix. Ouh, aïe, aïe. Bon, c'est bon. Faut me laisser. Voilà. Remercie Athéna pour ma pitié. La prison aurait dû t'apprendre la valeur de la pitié. Peña Durán m'a appris une chose. Mieux vaut être craint que respecté. Ouais, et si je te pète tes circuits, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ça, c'est Arès. Temiscira? Comment est-ce? C'est moi qui t'ai amené ici. Toi? Je n'ai pas de temps pour tes intrigues. Calme-toi, je te prie. Nous avons beaucoup à parler. Tu as peut-être dupé ma mère, Arès. Mais je n'écouterai pas tes mensonges. J'ai pas le temps de niaiser, Arès. De toute façon, on sait bien que les femmes viennent de Vénus et que les hommes mangent des Mars. Imbécile. Surveille ta langue. Je crois qu'il n'en a pas. Perdu. Voilà. C'est tout ce que je voulais faire. À présent, Arès, renvoie-moi là-bas. S'il te plaît. Diana, tes amis survivront à leur petite bataille. Mais si tu veux vraiment les aider, écoute-moi. Parle. Et tâche d'être bref. Ah, j'avoue, contre deux Batman, c'est compliqué quand même. Nous devons faire sortir le transporteur. S'il est endommagé, vous ne rentrerez jamais chez vous. Oui. Je connais le plan de Superman. Tu ne m'apprends rien. Mais sais-tu comment il compte mettre son plan à exécution? Pas encore. Si tu ne m'avais pas amené ici... Regarde un peu ce qui se passe. Par Aphrodite. Choquant, n'est-ce pas? La grande armée Amazon, prête à envahir tout un continent. C'est impossible. Comment a-t-elle... Si seulement quelqu'un pouvait l'arrêter. Genre moi? Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça? Le conflit pourrait te rendre tes pouvoirs. À court terme. Si Superman assoit sa suprématie, le conflit qui alimente mes pouvoirs s'éteindra à jamais. Et si tu allais sur une autre planète où il y a de la guerre tout le temps? Encore dans ton propre intérêt. Inutile. L'ennemi de mon ennemi... Nous ne sommes pas amis. Nous avons un intérêt commun. Pour l'instant. J'ai besoin... Ah, bonjour Raven. Je te laisse travailler. Arès aide les insurgés. En termes de stratégie, ce n'est pas Athéna. Ton apparence trahit ton allégeance, Raven. Tu es au service de Trigon, pas de Superman. Je les sers tous les deux. La victoire de Superman hâtera le retour de mon père. Pour savoir ce qui est arrivé à son père, lisez le comics. Oh! Et moi aussi, je peux faire des chopes, hein. Tiens. Tiens. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est relou quand on fait ça. Ah! J'en ai marre, j'arrive pas à placer un seul coup. Oh, c'est pas vrai. Oh là, papa est pas content. Voilà. Ne compte pas sur le retour de ton père, Raven. Hâtez-vous, mes sœurs. Nous levons l'ancre dans l'heure. Emportez ça sur l'Athéna, Sloop 51. Ensuite, allez sur la jetée sud. Sloop 51. L'équipe de Mora a besoin de renforts pour un transfert d'armes. Allez, Diana. Rappelle ton armée. Elle ne soutiendra pas la folie de Superman. Tu n'as aucun pouvoir, usurpatrice. C'est Vous moi n'avez qui aucun pouvoir ici. Déshonore les Amazones. Nous devons tempérer la violence humaine, pas y contribuer. Après Metropolis, Superman m'a ouvert les yeux.
Leur violence ne peut être tempérée, seulement étouffée. En tuant des innocents... Il t'a ouvert les yeux dans son lit. Superman se sert de toi. Tes Amazones doivent être bien vulnérables avec une reine comme toi. Ouh. Nous devons rendre service. Aider les innocents. Sauver des vies, amis ou ennemis. C'est notre rôle. Tu me sermonnes sur ce que signifie être une Amazone. Je ne te sermonne pas. Je te destitue. Oh. Tiens, voilà. Ça t'apprendra. Reconstruisons ce que nous avons détruit. Attends, ce que nous avons détruit, ce que vous avez détruit. Halte, mes sœurs, halte. Je ne suis pas de ce monde, mais je suis une Amazone. Et je vous le dis, ceci est folie. Notre rôle est d'unir les peuples du monde, d'apaiser la colère des hommes, de la vaincre par la compassion et l'amour. Elle a laissé un homme imposer sa colère à une planète tout entière. L'a laissé être consumée par ses passions les plus sombres, plutôt que de l'extraire à son désespoir. C'est pas tout à fait vrai. Mes sœurs, revenons ensemble du bon côté de l'histoire. Partons au combat, mais pour protéger l'humanité, et non pour la détruire. Nous sommes des Amazones. Nous sommes là pour sauver les hommes. Non, c'est pas la bonne musique. Bon, arrêtez de tout casser. Doomsday. Oh là là. Domino Day. Non mais là c'est... Oh purée. La destruction elle n'est pas possible. Superman Wesh. Ah non, elle est devenue vieux. Vraiment, vraiment vieux. Là par rapport à l'habitude où il est un peu hésitant par rapport à ce qu'il fait de mal, là il est vraiment déterminé. Ça c'est super dangereux. Vous avez déjà eu un aperçu de ce truc là dans Batman vs Superman où de pire en pire. Tu as un aperçu du futur. Absolument. Quand j'aurai terminé, vous rentrerez tous. C'est ça. T'as un aperçu du futur de comme toi, de la Terre alors que Superman a perdu Lois et qu'il commence à péter un câble. Et franchement c'est chaud. Et l'insurrection avec toi. Mais du coup, Injustice apporte les bonnes réponses, du coup. C'est peut-être mon destin. Par rapport à ça. Nous ne croyons pas au destin. Oula. Oula, oula. On se calme. Non, mais vous êtes forts aussi forts l'un que l'autre. Ouh. Ouh. C'est mon monde, mon combat. C'est devenu le nôtre quand tu nous as fait venir. C'est vrai. Voilà. Là t'es mort. Et même si c'est ta Batmobile, je peux aussi la contrôler. Bah si, c'est relevé. Si on a fini ici, on perd du temps. Tu fais une grave erreur. Tu nous as fait venir car tu avais espoir. L'espoir que l'on porterait les valeurs que tu as défendues corps et âme. Alors crois en nous. Crois en toi. Et finissons-en. Il a raison. Je ne sais pas comment ça marche, j'avoue. J'espérais que tu ne t'en rendes pas compte.
symbole de la maison de L. Superman. On va commencer. Des innocents meurent. On s'occupe des autres. Concentre-toi sur leur Superman. On va le faire ensemble, pour éviter les pertes. Ensuite, Superman. Doomsday va poser problème. Dommage collatéral. Je devrais mener ce combat ailleurs. Amène-le dans la zone fantôme. Autre chose ? Je sais que ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est bon de t'en trouver. T'inquiète, on a compris ce que tu voulais dire. Non, le lag, non, putain, le lag là. La Frost. Je croyais qu'elle était déjà en service. Ça suffit, Black Adam. Si Kandak existe ici, tu peux rentrer chez toi. Ouh. Ok, d'accord. Bon, ça va être plutôt facile. Couché. Superman a calqué son gouvernement sur le mien. Aucune insurrection n'est tolérée. Ah ouais? Oh! Bon, on va voir comment t'es puissant, Superman. Ouf! Ah! Ah! Allez. Janazuki Smash. Attack. Paf. Tu as assez fait de mal. Sub-Zero. Ça te retiendra assez. Sinestro ? Ça va, tu te sens bien ? Pas si super, n'est-ce pas ? Détruis son anneau. Détruisez-le ! Non. Isildur ! C'est ta chance de faire le bien. Saisis-la. C'est bien. C'est Aquaman, ça. Ouais, c'est Aquaman. Encerclés. Vous avez perdu. Organisé. Ah ouais? Mais c'est ce qu'on va voir. Oh mais non, j'allais le prendre.
Descends. Enfin, monte plutôt. Voilà. Que vous le vouliez ou non, vous avez besoin de moi. Superman, on a brisé leur rang, ils reculent. Bien. Quand on les aura repoussés, il faudra de l'aide pour soigner les blessés. Je déploierai une légion aussi vite que possible. Merci, Diana. Avec toi, tout semble facile. Occupons-nous d'abord de ça. On verra si c'était facile. Il faudra que... Ouf ! C'est qui ça ? Ça doit être Doomsday à tous les coups. Ouais, c'est Doomsday. Contrôler en plus. C'est chaud. Tu dois tenir bon. Ah, attends, la forteresse de solitude. Ça promet d'être chaud. Je vis pour te tuer. Alors tu vas être déçu. Attends, mais il y a deux Doomsday. Oh, le smash. Putain, mais c'est Braun Strowman, le mec. Il ne peut m'arrêter. J'ai déjà réussi. Ouais. Mais il t'a déjà tué aussi. Putain, 30%. Oh, mais non. Voilà. La fin du monde attendra. Allez, faut l'enfermer dans la zone fantôme parce que là, c'est plus possible. Voilà. Oh. Je savais qu'il finirait par te faire venir. Tu n'as rien à faire ici. Mon devoir ne se limite pas aux frontières de ma dimension. Je suis le sauveur de ce monde. Je le protège. C'est ce que tu crois faire? Les protéger? Les enfants désobéissants seront punis. Des enfants? Les enfants? Tu n'es pas un dieu, ce n'est pas à toi de décider qui doit vivre ou mourir. J'ai ce droit! Je l'ai depuis que Joker m'a transformé en arme de destruction massive! Je sais ce que tu ressens. Et tu me juges? Quand je t'aurai tué, j'amènerai Loïs ici. Quand elle verra à quel point j'ai perfectionné ce monde, elle sera effrayée et écœurée. Elle sera en vie. Sa mort ne justifie pas... Il me l'a volé! Tu as volé la liberté de ce monde. Il est temps de la lui rendre. Ok, c'est le combat final. J'ai sauvé ce monde. Je vais le sauver de toi. Ouais, vas-y. Mais je crois qu'on a égalité. Tu en étais sûr. Oh mais non! Mais tu veux pas grand chose. Oh, c'est pas vrai. Il est temps de la lui rendre. T'en as assez? Allez, prends-toi tous les rochers, les cristaux, tout ce que tu veux. On va les battre dans l'avenir kryptonienne.
C'est la fin! J'ai sauvé ce monde! Je vais le sauver de toi. C'était laborieux. Ton règne est terminé. J'en ai marre. Ouf, c'est quoi t'as voulu ça? Ça, ça fait mal. Tu ne terroriseras plus les habitants de cette planète. La peur est la seule chose que comprennent les gens. Un jour, tu le sauras. Ouais, ça t'arrivera peut-être. Surtout, on a besoin de toi pour Injustice 2. Même si on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Eh oui, même toi, Flash. Là-dedans, on va te ramener dans ton monde. Ah, ils amènent l'autre Hal Jordan et Sinestro pour se faire juger par les gardiens, quoi. Où se sont rendus? Maintenant, il faut rétablir l'ordre civil. Le gouvernement provisoire a fort à faire. Nous l'aiderons s'il le veut. Merci, mais non. Les gens doivent savoir qui dirige. Alors, tu n'as pas changé d'avis. J'apprécie l'offre du président, mais je n'ai pas ma place au gouvernement. Aucun de nous. Tu penses que Batman a de l'avenir ici? Le crime et la corruption reviendront. Oli m'aurait trouvé pessimiste. Je suis juste réaliste. Et votre Superman? Il sera jugé. Avec ses complices. Il avait raison. À quel sujet? Dans la même situation, j'aurais peut-être fait pareil. On ne sait jamais de quoi on est vraiment capable. J'espère pour ton monde que tu ne le sauras jamais. Ouais, j'espère aussi. Garde bien ça à l'esprit. Quoi? S'il se passe quelque chose, et que ça t'arrive, je m'occuperai de toi. Il faudra faire la queue. Ah, c'est là qu'il se trouve Superman. Mais ça, j'aimerais bien comprendre comment ils arrivent à le maintenir en détention et mettre de la kryptonite un peu partout pour l'empêcher de... pour l'empêcher de bouger. Comment ils le maintiennent en détention? Il n'a toujours pas renoncé, on dirait. Il n'a toujours pas renoncé.
Et voilà, c'était donc la fin de Injustice Gods Among Us Ultimate Edition. Alors, que dire sur ce jeu? L'histoire est pas mal. L'histoire est vraiment bien. Après, pour un néophyte niveau comics comme moi, ça peut être assez déroutant. Il y a beaucoup de personnages, on connaît pas forcément leur passé, il y a des petits clins d'œil qu'on ne saisit pas forcément. Et c'est des petites choses qu'on voit en général seulement si on a lu les comics ou qu'on a été gravement, très longtemps assidu à la Ligue de Justice sur F3X ou ce genre de choses. Enfin, les petits dessins animés qui passaient le dimanche matin sur France 3. C'est pas évident à saisir. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? D'accord, ok. Mais comme je disais aussi avant, c'est l'idée vraiment de prendre le super-héros le plus célèbre et de le déchoir de son idéal de justice, c'est vraiment cool. Il y avait une piste qui avait été explorée dans justement Batman vs Superman, le film. Oh là, le pauvre cyborg s'est fait mais écrabouiller le cul. Bref, vraiment le fait d'explorer la mentalité de Superman lorsqu'il est poussé à bout et qu'il a tout perdu, c'est vraiment génial. Et franchement, le studio en question, c'est quoi le nom du studio? C'est NetherRealm, c'est ça? Warner Bros. Games. Ils ont fait un bon boulot là-dessus. Bon, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est la qualité du portage. Il y a beaucoup de lag, c'est moche parfois, il y a des textures qui sont pixelisées. Pour moi, c'est pas du tout digne de la PS4, ça je suis pas d'accord. Après, bon, il y a sans doute de nouveaux persos à tester, normalement pour le mode versus, etc. Mais on sent beaucoup la différence de qualité entre le mode combat et le mode cinématique, et ça c'est vraiment dommage. Normalement ça devrait plutôt se faire d'un trait, mais il y a un gros différentiel en matière de framerate et de qualité, et ça c'est pas acceptable. Franchement c'est pas acceptable. Sinon ouais, l'histoire est vraiment bien. Je vous recommande de lire les comics sont pas encore terminés, mais en fait les événements qui se déroulent là sur ce jeu se déroulent 5 ans après que Superman ait buté le Joker. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 ans? Ça c'est la réponse que les comics vont donner à cette question, qui vont être normalement au nombre de 10. Là il y en a actuellement 8. Ouais, il y en a 8. Et c'est franchement pas mal, les dessins sont très beaux. Les événements sont quand même beaucoup plus détaillés, il y a des choses qui sont bien expliquées, notamment la mort de Green Arrow, comment Hal Jordan est passé de Green Lantern à Yellow Lantern, comment Sinestro est arrivé, la descente aux enfers de Superman, comment Diana l'a suivi dans son délire, en quelque sorte. Toutes ces questions-là sont répondues dans ces comics, et je vous recommande vraiment de les lire. Vraiment, c'est un masterpiece. J'ai commencé les comics à partir de Injustice. Ça a été le début de la fin pour moi, parce que bon, les comics, c'est pas aussi... C'est pas aussi bon marché que les mangas. Même si, voilà, la qualité est là. Voilà. C'est un gros investissement, mais ça en vaut la peine. Franchement, ça en vaut la peine. Je suis en train de me refaire une petite collection, là. J'ai du quoi ? J'ai du Flash, j'ai du Green Lantern. J'ai un peu de Batman, j'ai Future Zen, qui est un peu indigeste parfois au niveau du scénario. Mais je pense que c'est parce que je n'ai pas lu Earth 2 ou des choses comme ça. Mais Future Zen est vraiment pas mal aussi. Et puis voilà, je compte continuer une bonne petite collection... De comics. Ah oui, j'ai pris Shazam aussi pour explorer les origines de Billy Batson, ce petit gamin de 14 ans orphelin qui reçoit les pouvoirs de six dieux,
en un seul, juste en prononçant Shazam, et il se transforme en super-héros quasiment aussi puissant que Superman. Voilà, ce sont des petites choses. Dan Didio. Oh purée, il y a un Dio dans les co-publishers, ça c'est pas mal ça. Attends, il y a un Adama Traoré. Non, il y a un Adama Traoré dans le truc. Est-ce que c'est le fameux Adama Traoré Non, c'est pas possible. Oh, si c'est ça, mais c'est une coïncidence de fou. Enfin bref. Voilà, donc, si vous voulez jouer un jeu de combat plutôt nerveux... Bah, parce que oui, j'ai oublié de parler du style de combat. On sent que c'est très nerveux, mais au niveau des... Au niveau des mouvements d'attaque, on sent que c'est très saccadé. Il y a pas beaucoup de frames en fait pour les persos, mais ça c'est un peu ce qu'on reproche au jeu style Mortal Kombat et tout. Mais les dialogues personnalisés, le fait qu'on puisse changer d'arène, les coups spéciaux, le fait que tu puisses rentrer en clash avec ton adversaire, ça ce sont des mécaniques de jeu qui sont vraiment excellentes. Et ça vraiment, c'est du bon boulot. Après, il y en a qui risquent de ne pas trop aimer le style de combat parce que, c'est pas du Tekken où on peut mâcher n'importe quel bouton et ça marche. Là, en l'occurrence, j'ai beau appuyer sur tout et n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça, je me suis souvent chié dessus. Et c'est pas à base de quart de tour comme un Street Fighter ou quoi. Donc, voilà, c'est un truc à appréhender. Et donc, voilà. C'est donc sur ces images que je vais vous laisser. J'espère que vous avez vraiment kiffé ce Let's Play d'Injustice avec moi. J'espère que vous avez kiffé le mode d'histoire. J'espère que ça vous a donné envie de lire le comics. Et du coup, je vous retrouverai sans doute le mois prochain pour... le mois prochain. Je vous retrouverai à la fin du mois de mai pour vous faire le Let's Play de Injustice 2. Et... voilà, comme d'habitude, si vous avez kiffé, les phrases bateau habituelles, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager, parlez-en autour de vous, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir les gens.